美队中国出入口的东西的不一样的是，我们会有一个免疫服务收银口，安检机、安检队，对吧？等我们如果能建立的话，是凭什么的？Le passage du cardinal Tisserand en Inde.
Katz's Karam Center. Condamned at the Avenue Union Republic on 1950. Il y avait un nouveau souffle et un nouvel esprit de liberté. C'était dans cette situation que le cardinal est venu en tant que haut délégué du pape. L'État de Kerala, le berceau des églises orientales en Inde, lui a fait un accueil solennel et exceptionnel qui a compté non pas seulement dans l'histoire de Kerala, mais aussi tout particulièrement dans l'histoire des chrétiens du Kerala. Comme il est venu comme le plus haut responsable de l'Église catholique après le pape, nous l'avons accueilli avec une grande fierté. Comme tout le village était rassemblé dans le rue pour voir le passage du cardinal, mes parents et moi sommes allés sur le trottoir dans la rue qui avait été bien décorée. Une immense foule l'attendait. J'ai vu le cortège de son arrivée et enfin la voiture de cardinal. Il y avait tellement de cris de joie et j'ai vu pour la première fois de ma vie un cardinal. Il était un homme sérieux, avec le barbe bien fournie, donnant une impression de moine, savant orientaliste. C'est cela mon image de cardinal Tissot. L'église de Kerala, en particulier l'église de Siromalabar, avec l'église de Siromalangara. J'ai lu ce passage de cardinal Tissot en tant que secrétaire de la congrégation pour les églises orientales, car il a apporté beaucoup de bien à notre église. Tout d'abord, l'église de Siromalabar l'aime. Elle le respecte beaucoup parce qu'il nous a aimés en premier. Son adage que nous citons assez souvent, c'est « J'aime votre Église car je connais votre histoire ». Ce n'était pas une phrase banale. Il a d'abord écrit sur les chrétiens de l'Église d'Orient avec un titre « Nestorien » dans le dictionnaire de théologie catholique. Et le cardinal a largement écrit sur l'Église sur Malabar dans le dictionnaire de théologie catholique comme Kant. C'était une première étude bienveillante et de l'Église sur Malabar. Je veux dire qu'il était un grand savant, un chercheur infatigable de l'identité de notre Église, plus que nous à cette époque. On peut dire qu'en étudiant l'histoire de notre Église, il est tombé amoureux d'elle. Cet amour de notre Église, il l'a bien manifesté en apportant un cadeau précieux d'une immense valeur pour nous. C'était la relique de Saint Thomas, l'apôtre de Jésus, qui a été placée dans l'Église de Saint Thomas, qui est solidement cimentée par son évangélisation. Le musée, c'est le lieu de son embarquement et le lieu de la première communauté chrétienne. Au moment où il est venu en Inde, l'église de Romapa n'avait que la juridiction très limitée sur le centre de Kerala. Elle n'avait même pas la juridiction entière sur le Kerala. Pourtant, il y avait beaucoup de fidèles de l'église de Romapa qui étaient sous la juridiction de l'église latine au Kerala. De plus, il y avait beaucoup de vocations.
Maintenant, nous allons avoir la messe. J'invite les ecclésiastiques à rejoindre la sacristie, les groupes frères, membres de l'ordre et de l'ordre. Pour venir, comment Je voudrais remercier les hautes personnalités qui ont bien voulu accepter d'apporter leur témoignage sur l'œuvre et la spiritualité du cardinal Tisserand, en particulier son éminence monsieur le cardinal Georges Alain Chéry, archevêque majeur de l'église Syro-Malabar, qui vient de Carabin, je crois. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, Fray Emmanuel Rousseau, membre souverain conseil de l'ordre de Marthe, Monsieur l'abbé Xavier Sneuil, curé de l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie, chapelain de l'ordre, qui est à l'origine de cet hommage aujourd'hui et qui a fait beaucoup pour qu'il soit réussi. Je voudrais saluer également l'ambassadeur Jean Péguignot, ancien ambassadeur de France auprès de Saint-Siège et de l'UNESCO, je ne sais pas ce qui est arrivé, ainsi que les membres du comité d'honneur, présidé par son éminence le cardinal Jean-Louis Doran, grand ami de l'ordre de Marthe, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Le cardinal Eugène Tisserand est né à Nancy en 1881, cardinal en 1936. Le cardinal Eugène Tisserand a été, vous le savez, à la fois le témoin et l'acteur tour à tour de la séparation de l'Église et de l'État, de la crise moderniste en France, de la guerre mondiale, résistant au nazisme et à la montée du communisme pendant la guerre froide. Il a traversé le Concile du Vatican comme un grand acteur et il a reçu et occupé des hautes fonctions dans la Rome pontificale pendant plus de 60 années, entre 1908 et 1971, sous six papes différents depuis 1906, et reçu les honneurs les plus hauts, en particulier en France. Mais tout cela, vous le savez tous, plus ou moins, et ce que, sans doute, vous ne savez pas, c'est la personnalité même, vous ne connaissez pas la personnalité même du cardinal. Le cardinal avait reçu de Pie XI l'autorisation de vivre en famille à Rome. Ses nièces, son neveu, son frère, sa belle-sœur se sont reliés auprès de lui jusqu'en 1958. Date à laquelle sa petite nièce, Madame Paul Henkin, l'a assisté jusqu'à sa mort en 1972. Madame Henkin est ici présente. Elle a accepté d'apporter son témoignage personnel, ses souvenirs personnels de son oncle. Qu'elle soit vivement remerciée de sa présence et de son amitié. L'ordre de Marthe doit beaucoup. Monsieur le Président, je remercie votre Excellence pour ses mots de bienvenue et surtout pour avoir déjà commencé à rendre hommage au cardinal Tisserand en évoquant peut-être des aspects de sa personnalité, de son œuvre, moins connue que d'autres. Chers amis, partie des gens qui ont spécialement
communauté dominicaine de Mossoul de 1969 à 1983. Puis, de 1983, à partir de 1983, vous allez vivre 22 ans au Caire, à l'Institut dominicain des études orientales. Maintenant, depuis quelques années seulement, vous êtes au couvent des Dominicains de Marseille. Vous êtes docteur en histoire, en assimilation et titulaire d'une maîtrise d'arabe. Vous avez été toujours très proche de l'église calvinienne et vous connaissez bien sûr aujourd'hui tout particulièrement de nombreuses familles irakiennes qui vivent à Marseille et ailleurs. Votre lien avec les églises d'Orient ne s'arrête pas depuis votre enfance où malheureusement certains membres de ces dimension de la vie du Carmel de France et le soutien très concret de ces chrétiens de l'autre, à l'époque c'était peut-être plus ceux qui étaient de l'autre côté du mur, mais voilà son souci des chrétiens, des églises orientales qui sont en difficulté. Père, je vous laisse la parole. Excellences, frères et sœurs, chers amis, en tant que vice-directeur de l'École publique et archéologique française de Jérusalem, je suis heureux de parler cet après-midi de l'un de nos plus prestigieux anciens élèves, et je vais le faire par la grâce de nos archivistes, bibliothécaires et photothécaires qui ont pris occasion de cet après-midi pour commencer un inventaire dans nos archives. Je parle de notre photothèque, car nous avons la plus grande photothèque privée du Proche-Orient, 25 000 plaques.
intelligence et contexte souvent difficile, hier comme aujourd'hui. Le premier point de mon intervention est sur le Moyen-Orient, surtout les juridictions du Caster et la formation du clergé. En juin 1936, Pie XI nomme à la tête de la Congrégation pour les Églises orientales le cardinal Eugène Tisserand, scriptor orientalis et propréfet de la Bibliothèque historiographique. Tisserand possède toutes les qualités nécessaires pour recueillir le lourd héritage de son prédécesseur, le cardinal Pie. Archives nationales depuis 2012. La parole.